Ah, Bernard. Bernard. Hein? J'avance. Hein? J'avance. Mais tu ne manges pas. La nourriture me fatigue souvent au champ. Comment? Chaque matin, tu manges ici avant de passer au champ, non? Maintenant, tu es fatigué. Cela veut dire que quoi? Ça va te fatiguer seulement aujourd'hui. Ne discute pas. Je viens manger au retour. Il faut que j'attaque très tôt ce matin. Bon, tout à l'heure. Alors, il est où? Sabine, je voudrais te parler sincèrement. Je t'écoute. C'est que... c'est un peu dur, quoi. Je ne sais vraiment pas trop par où commencer. Je vais te chercher en bas. À Calais. Ok. Ah, je peux m'asseoir ici. Ah, c'est toi là. Ah. Voilà. Alors, Yuli. Comment ça va? Ça va bien. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai appris que tu étais souffrante. Oui. Le palu m'a vraiment menacé ces derniers temps. Ah. Mais ça va quand même mieux là maintenant. Sauf que de temps en temps, j'ai un peu froid. Ah. Et même les articulations me font encore mal. Bon. Je... profite donc de l'occasion pour te parler seul à seul. Car il y a des choses que je voudrais éclaircir avec toi. J'ai appris par des bouches de gauche à droite que ça n'allait pas très bien avec ta belle-sœur Jenny. Ça m'a beaucoup surpris et chagriné. Surpris parce que quand on vous voit ensemble, aucun problème n'apparaît. Toutes deux, vous êtes de bons fidèles de l'Église. Et ça me dérange de voir des frustrations entre mes brebis. En tant que guide spirituel, je me suis dit que je peux essayer de voir ce qui ne va pas et voir mes possibilités de prier Dieu pour que l'union revienne dans votre famille. Je commence donc par toi, Yuli. C'est toi l'aîné. Et en quelque sorte, c'est aussi toi, le mari. C'est vous qui avez épousé Jenny. Pour commencer, je te remercie d'avoir fait ce déplacement personnellement pour t'enquérir de ce problème-ci. Ça me touche beaucoup.
Parce que personne de tous ces gens qui passent leur temps à parler des problèmes des autres dans ce village n'est encore venu me voir pour savoir ce qui se passe réellement. Bref, comme quelqu'un veut bien savoir le fond des choses, moi je vais donc ouvrir mon ventre. Le premier problème que j'ai avec Jeannie, c'est qu'elle me manque trop de respect. Toi-même, tu viens de dire là que je suis l'aînée de Jeannie. Mais il faut donc voir comment cette fille me parle souvent. Comme si elle a une bûchette sous la dent. Azibi, je suis même pire que sa brosse à dents. Il faut l'entendre m'engueuler. Comment je suis une vieille fille? Comment j'aligne un bataillon d'enfants? Comment je ne vaux rien? Bref, l'ami ne viendra pas. Ou alors, il est déjà là et ce n'est pas moi. Sois plus clair. Il s'est désisté? Non. Pas du tout. Il veut toujours. Plus que jamais même. Mais alors, où est le problème? Je ne comprends pas. Tiens. Suis-moi. Plusieurs fois, je me suis plaint auprès de mon frère qui est le mari de Jeannie. Mais rien à faire. Mon frère ne veut rien entendre. Il protège sa femme. Pour lui, sa femme-là est un ange. Tout ce qu'elle peut faire est bien. Ne va pas lui dire quelque chose contre sa femme-là. Il va se fâcher, hein. Il va dire qu'on est jaloux d'eux. On va les diviser. Moi, Yuli, jalouse de mon frère et de ma belle-sœur. Ils ont quoi sur eux que moi je vais envier? Yuli, est-ce que je ne se lève toute seule et se met seulement à t'engueuler? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a rien qui déclenche cela? Il peut y avoir des échanges de mots, comme ça existe partout dans les familles. Il peut arriver qu'un enfant tape sur l'autre, ou même une assiette qui traîne dans la cour, ou même un problème de nourriture. Au lieu donc de régler ce genre de petits problèmes, sans que les voisins soient au courant, alors on élève la voix, on crie, on tape. Azibi, si moi, Yuli, je suis à côté et veux savoir ce qui se passe, madame se fâche. Tout de suite, ça devient une engueulade. Non, ça ne peut pas continuer. J'ai trop supporté déjà. Je me disais qu'en tant qu'aînée, je peux donner l'exemple. Mais le corps n'est pas le foie. Hein. Le corps n'est pas le foie. Je suis arrivée à un niveau où je ne peux même plus supporter. Alors moi, je lui fais ça dur. Et très dur même. Il y a beaucoup d'autres problèmes, Azibi. Mais vraiment, celui-ci est le plus important. Tous les autres petits problèmes là découlent de cette attitude d'irrespect et de mépris.